Good morning, Alidan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Avraham Mordechai Ben Yitzhak Befani, Dvora Bat Esther et Rosette Zohara Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine Q2 Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sakhati Avamot Perik Nedvav Mishnah Dalet. Akol Ne'emanim Leha Ida, Chutz Mechamota, Uvat Hamota, Vetzarata, Vivimta, Uvat Ba'la. Ma Ben Get Lemita, Shaktav Mochiar. Edomer Met, Veniset. Uba Acher Ve'amar Lomet, Areizu Lotetse. Edomer met, ou Shnaim omrim lomet, afalpi shniset, titse. Shnaim omrim met, ou Edomer lomet, afalpi shelo niset, tinase. On continue à parler des halachot de heter agunot, permettre les femmes qui. Comment est-ce qu'on fait pour permettre les femmes qui ont le mari porté disparu? À partir de quel témoignage on va sonder? On a déjà expliqué que selon la Torah, pour qu'une femme mariée puisse se marier, il faut nécessairement deux témoins cachers qui viennent témoigner. En l'occurrence, 90% des femmes dont le mari n'est pas venu ne pourront plus se marier. À cause de ce problème, Chachamim ont, ce problème de laisser tellement de femmes bloquées, alors Chachamim ont décrété quelques permissions de se fonder sur des choses qui ne sont pas vraiment des témoignages complets selon la Torah. Deux pôles essentiels. Tout d'abord, la femme elle-même, elle peut, si elle revient, elle nous dit qu'elle a vu son mari qui est mort, on la croit. En théorie, on ne devait pas la croire. Ouais. Pour donner une idée, on a déjà pris l'exemple. Si jamais un homme revient de l'étranger et nous raconte que sa femme est morte et que maintenant il a envie de se marier avec sa belle-sœur, il ne pourra pas se marier avec sa belle-sœur. Pourquoi? Parce que qui nous a dit que sa femme elle est morte? Lui, il nous raconte. Lui, il n'est pas cru. Il faut deux témoins cachers qui nous racontent que sa femme elle est morte pour qu'il puisse se marier avec la belle-sœur. Si nous, il n'a pas de deux témoins cachers, il ne pourra pas se marier avec la belle-sœur. D'aucune manière. La belle-sœur ne pourra pas le croire et tout ça. Pour la femme dont le mari est porté disparu, alors elle peut d'abord nous raconter elle-même qu'elle le sait. Si elle nous dit qu'elle sait, on la croit, comme ce qu'on avait dans la Mishnah précédente. Et on a aussi l'autre pôle, comme on a dit, c'est l'autre possibilité, c'est de permettre un témoignage de un seul témoin. Alors que dans la Torah, il faut deux témoins cachers. Là, on va se contenter d'un seul témoin, et même un témoin qui n'est pas cachère en général. Par exemple, tout simplement une femme. Une femme, elle n'est pas cachère pour témoigner au Beit Din. Là, cette fois-ci, pour le témoignage de Edut Isha, on va la croire. D'accord? Dans la prochaine Mishnah, on va parler maintenant, on va s'intéresser essentiellement à voir différentes situations où il y a des contradictions entre les témoins, quel type de témoins sont cachères. On commence avec Akol Ne'emanim Lehaïda. Tous sont crus, sont crédibles pour lui témoigner. Ça implique... j'ai mal préparé mon JO, donc je vais donner plus de cas, mais même ceux qui sont en général pas crus pour d'autres témoignages, quelqu'un qui joue au dé ou au jeu de cartes avec argent, ou toutes sortes de choses, là, pour là, cette fois-ci, ils sont crus. D'accord? Même une femme, même... Mais là, on s'intéresse surtout en fait au lien de parenté. Tous sont crus, roots, à quelques... Même des parents, vous avez rendu compte? Même des parents, mais à condition que ce ne soient pas des parents qui ont naturellement une position où ils auraient tendance à vouloir planter la femme qu'elle se fasse divorcer de son mari. Notre crainte, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ils vont nous raconter que son mari il est mort, comme ça, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et comme ça, d'ici un an, le mari va débarquer, va dire quoi, t'es marié avec quelqu'un d'autre? Waouh, on peut plus rester mariés ensemble, et il y a des gens qui ont un intérêt à ce qu'ils divorcent, en fait. C'est moche, mais on va voir, justement, il y a de la haine naturelle, qui sont en l'occurrence, Rutz Mechamota, la belle-mère, la fameuse légende de la belle-mère, c'est pas une légende, c'est une halakha. Naturellement, une mère, elle a investi beaucoup dans son enfant pour l'élever. Et puis il y a cette petite-là qui débarque à 20 ans. Ils se marient ensemble et son fils oublie complètement sa maman, sa chère maman, qui s'est tellement crevée pour lui. Elle l'oublie. Elle a une haine naturelle pour la belle-fille. Même si ils vont se travailler, mais on... D'accord? Dans le cœur, il y a quand même ce petit sentiment qui ne cesse d'être. Ou encore, Batramota, la fille de la belle-mère, en l'occurrence la belle-sœur. C'est-à-dire, en fait, elle a un peu le même problème, c'est que, comme il nous dit le Barthénois, c'est-à-dire, il y a même des causes d'argent, plus dans tout ça. Deux belles-sœurs, en fait, ça veut dire, une sœur, une femme, que son mari, c'est la sœur de, d'accord, moi j'ai ma femme, ma sœur, en fait, ma sœur avec ma femme. Il y a une certaine haine naturelle, parce que naturellement, il y a mes parents qui travaillent et qui gagnent plein d'argent, puis après 120 ans, c'est moi qui vais tout prendre, elle va se retrouver sans rien. Elle a une haine naturelle que cette étrangère, elle va devenir milliardaire et pas elle, sur son compte. Donc elle a une haine naturelle, elle ne peut pas la supporter.
D'accord? C'est la psychologie profonde, donc faut pas négliger. S'ils sont pas crus, c'est que réellement, il y a ici une haine naturelle. C'est vrai, de toute façon, si vous regardez, il y a toujours une tendance à parler en cachette, aller comme ci, aller comme ça. D'accord? C'est normal. Vetsarata, il y a aussi tsarata, la tsara. C'est quoi la tsara? C'est très simple. C'est que quand on a deux femmes, deux co-épouses, il y avait Réhouven, il était marié avec deux femmes, Rachel et Léa. Réhouven, il est parti avec Rachel en route la arrête, elle est à l'étranger, et Léa, elle est restée ici. Et puis Rachel débarque, elle nous dit, ouais, le bateau, il a coulé, il est mort, il a un requin, il l'a dévoré. Et elle revient maintenant, et elle lui raconte que donc, son mari est mort, elle ne pourra pas se marier, elle n'est pas crue. Parce que vous imaginez bien, c'est son rêve à la co-épouse, qu'elle aille faire des bêtises, qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, comme ça, après le mari débarque, et le mari il va lui dire, ah, tu m'as trompé, ta ta ta, il va la renvoyer, puis elle, elle va rester la seule femme. Logique. Vivimta. Et même aussi la yevama. Ça veut dire quoi la yevama? Où il y a une yevama ici? La yevama potentielle. C'est-à-dire qu'en fait, on a Réhouven qui est marié à Rachel. Et on a Shimon, le frère de Réhouven, qui est marié à Léa, une femme étrangère. D'accord? Pour le moment, situation claire. La Mishnah nous dit que Rachel ne peut pas venir témoigner pour Léa. Pourquoi elle ne peut pas témoigner pour Léa? Parce qu'en réalité, elle a envie. Alors là, c'est un peu plus vicieux. Pour le moment, ils n'ont aucun problème entre eux. Ils ne sont pas ces deux belles-sœurs. Pourquoi deux belles-sœurs? Deux femmes de deux. Les femmes de deux frères, en général, s'entendent très bien. Ouais, elles ont un... Pourquoi ne pas la croire? En réalité, parce qu'il y a quelque chose de très vicieux dans l'histoire. C'est qu'elle craint que si Shimon, il n'a pas d'enfant, et qu'après, Shimon va mourir. Et maintenant, Réhouven, le mari de Rachel, va vouloir faire la mise à deux Yiboum. Et la pauvre Rachel, elle va se retrouver maintenant avec une deuxième femme dans la maison. Une co-épouse. Elle n'en a pas envie. Donc du coup, elle a un intérêt à ce que, à la faire casser, à la faire rompre, divorcer de son mari. Ou encore, tout simplement, ou bat Baala. Ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, vous imaginez bien la situation. Partout où il y a des remariages, il y a de la haine entre les enfants naturels du papa et la nouvelle belle-mère, ou inversement, bon là c'est plus précisé, mais inversement aussi. C'est naturel, c'est normal. Depuis, la petite elle est là, elle voit que depuis que son père s'est marié avant, il était assez attentif aux problèmes de sa fille. Depuis, il va en vacances toutes les 3 semaines, et depuis, ouais, cette étrangère là, elle lui a bouffé son père. Donc, elle a une haine naturelle, et puis elle a un intérêt à lui raconter que son père il est mort, comme ça elle risque de se marier avec quelqu'un d'autre. Comme ça, ouais, le père, quand il va redébarquer finalement, il va la divorcer. Dans toutes ces situations, donc, on a vu, on a découvert 5 femmes, en l'occurrence, c'est ça, Ramota, Bat Ramota, Tsarata, Vivimta, Bat Bala, 5 femmes qui ne sont pas crues pour nous raconter que le mari est mort. Et il faut savoir aussi, l'Agmara nous dit aussi, c'est réciproque. C'est-à-dire que, puisqu'il y a une femme qui n'est pas crue pour une, elle-même ne sera pas crue pour l'autre. Parce qu'à partir du moment où il y a une haine naturelle entre de l'une vers l'autre, alors, comme le passage dans Michelet, Kamaïm Apanim, Kamaïm Apanim, Karp, l'élève, je ne sais plus, l'élève Adam, les Réou, un passage dans Michelet est connu qui nous dit que comme l'eau, elle reflète le visage aussi, une personne reflète aussi ce qu'elle a dans le cœur. Si je vous aime, je vous vois avec un sourire, vous allez m'aimer. Et si j'ai dans le cœur une haine contre vous, vous allez le sentir, vous allez mourir naturellement. Et de ce fait, alors la Mishnah elle nous enseigne qu'au même titre que maintenant on va prendre la belle-mère avec la bru, par exemple, eh ben, la bru aussi, la belle-fille ne peut pas témoigner pour la belle-mère. Parce que naturellement la belle-mère elle sent qu'elle a une haine, du coup elle ne peut pas la piffrer, et elle est bien contente si jamais elle si ça se finit mal avec son mari. D'accord? Ok. Ça c'était d'abord pour définir qui est cru, qui n'est pas cru dans cette histoire. Ensuite, malgré tout, l'agma pose une question. La Mishnah pose une question. Ma ben get le mita, shaktav mochiar. Quelle différence y a-t-il entre un get et la mort? Pourquoi cette question? Shaktav mochiar. Parce que dans le get, il y a l'écriture qui prouve. Ça veut dire, en réalité, c'est très simple. C'est que tout simplement, si ma belle-mère, ma mère n'est pas crue pour ma femme, elle n'est pas crédible, si elle vient témoigner pour ma femme, malgré tout, si moi j'étais en route l'arès, à l'étranger, avec ma mère, et que j'envoie un guet avec ma mère pour ma femme en Israël, eh bien, ma mère peut transmettre ce guet. Elle peut être mon chaliach, olacha, le transmettre au Bedin, et puis le... D'accord, ils vont le valider, et puis ils vont pouvoir divorcer ma femme. Regardez, on a dit, je viens de vous dire que ma mère n'est pas crue, elle n'est pas crédible pour ma femme, par rapport au cas où
monsieur meurt, moi en l'occurrence, mais Chas v'Shalom. Mais si elle amène un guet, elle est crue, quelle différence? Pourquoi? Là, dans les deux cas, elle a un intérêt à nous mentir et à nous et à faire que ma femme, elle va divorcer, ou elle va se retrouver toute seule. En fait, la réponse, elle est très simple. Si elle vient avec un guet, il y a un guet en bonne et due forme, ma mère ne va pas pouvoir créer un guet. Si elle débarque avec un guet de l'étranger, qui atteste que je veux la divorcer, donc j'ai écrit moi-même, écrit ça, j'ai fait signer des témoins, il n'y a aucune raison de craindre que ma mère est en train de nous mentir. Alors que si elle témoigne sur une mort, alors là, il y a lieu de craindre, comme ce que la Mishnah nous a enseigné. D'accord? On continue maintenant avec des contradictions entre les témoins. Il y a quelque chose de très original, je vais faire une petite introduction. C'est que, pour vous faire ressentir un petit peu l'originalité de l'Halakha, comme on a dit, selon la Torah, il faut nécessairement deux témoins. Chachamim sont venus nous dire, on va même croire un témoin, et même un témoin qui n'est pas valide en général. Là, on le valide pour le témoignage de la femme. À partir du moment, alors là, mais c'est très très particulier, parce que en général, deux témoins, c'est le top de l'éclaircissement. Dès qu'on a deux témoins qui ont témoigné sur une chose, on va les yeux fermés avec ce qu'il y a. Il y a deux témoins qui ont parlé, là, toi, elle me dit, quand il y a deux témoins, tu fermes les yeux, tu fonces. T'as deux témoins. C'est une contradiction de deux témoins contre deux témoins, alors on a le problème, deux contre deux. C'est vrai. Mais si c'est pas le cas, alors on a deux témoins, c'est le top. Là, on a dit, on va même croire un témoin, même un. Et alors maintenant, le problème, il va se passer maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on a une interférence? On a deux témoins qui. Par exemple, s'il y a un témoin qui débarque et nous dit que oui, le mari, il est mort, on a dit qu'on le croit comme deux. Mais si on a, contre ça, on a deux témoins qui vont nous dire que le mari n'est pas mort, qui c'est qu'on croit cette fois-ci? Inversement, si on a deux témoins qui viennent et nous disent que le mari, il est mort, mais on a un témoin qui nous dit que le mari n'est pas mort, qui on croit? Alors, en fait, c'est assez original, et c'est ce que la Mishnah va dire, regarde, on va voir les cas un après l'autre. Ed Omer Met Veniset, ou Ba Acher Veamar Lomet, a résolu le. Un témoin vient et nous dit qu'il est mort. Le Bedin nous dit, bon, bah, écoute, il est mort, fais tes éclaircissements. Il débarque et dit, ouais, effectivement, il est crédible. Le mari est mort. Le Bedin va décréter, toi, madame, on te permet d'aller te marier. Cinq jours après, il y a un témoin de nouveau qui débarque et qui nous dit, son mari est mort, bah putain. J'ai fait des affaires, je l'ai acheté moi, je sais pas, non. Je l'ai vu encore, il témoigne qu'il est mort il y a 3 mois, alors qu'il y a 1 mois, je l'ai encore vu, j'ai encore eu fait des affaires avec lui, alors qu'on était à l'étranger là-bas. Qui on croit? Eh bien, figurez-vous qu'on va croire le premier témoin. Pourquoi? Parce qu'un témoin, il n'est pas cru dans la Torah. Spécifiquement, ici, il est cru pour nous dire que le mari, il est mort. Quand on a reçu le témoignage de l'un qui nous a dit que le mari, il est mort, on le prend et on le croit. Quand il y a un témoin qui vient qui le contredit, un témoin, c'est qui un témoin? Un témoin, ça n'a aucune valeur. Il est plus cru. Si c'était venu ensemble au Beit Din, alors là, on les aurait cru. Alors là, il y aurait une contradiction, on n'aurait pas reçu le témoignage. Parce que un contre un, ça s'annule. Mais dès qu'on a le témoignage de un qui a été agréé au Beit Din, on a reçu son témoignage, on a tranché que c'est bon, elle peut se marier. Dès lors, le un seul témoin, il ne pourra plus casser ça. Parce qu'un témoin, il n'est pas cru contre un témoin qui a une valeur de deux. Vous avez compris l'idée? D'accord? Je reprends dans les mots. Ed Omer Met, Veniset. Un témoin nous dit qu'il est. Ed Omer Met, un témoin qu'il est mort, que le mari est mort. Veniset, et elle s'est mariée. Et la Gemara précise que c'est comme le partenaire, il nous dit aussi. C'est pas la peine de dire qu'il s'est réellement marié. C'est suffit de dire que juste qu'on a donné la permission de se marier. On a tranché au Bedin qu'elle peut se marier. Et ensuite, Uba Acher Ve'amar, l'omet. Et après, il y a. En faisant monter le chiour d'aujourd'hui, j'ai réalisé que la fin du chiour a un peu bugué. Du coup, je ne sais pas, je peux pas vous faire un super montage du tout, mais je voulais pas vous laisser quand même sans la fin de la Mishnah, lire et traduire au moins la dernière partie. Apparemment, j'avais déjà expliqué quand même bien le principe que un témoin, une fois qu'on l'a cru, il prend un poids comme deux, et donc, si un va venir ensuite le contredire, ça va faire un contre deux. C'est ce que la Mishnah m'enseignait, je refais à partir de la fin, là, je pense qu'on en était là. Edomer Met Veniset, un témoin dit qu'il est mort et qu'on lui a donné la permission de se marier, donc. Mais après, une fois qu'on a donné la permission de se marier, il y a un autre témoin qui est venu aussi, un seul témoin, qui vient et qui nous dit non, l'omet. Dans ce cas-là, Arezo Lotetse, elle n'aura pas besoin de divorcer, elle restera mariée avec le nouveau mari, quoi. Depuis la première dérogation qu'on lui a donnée, elle pourra rester mariée avec le premier. Par contre, Ed Omer Met, par contre, si un témoin témoigne qu'il est mort, ou Shnaim Omrim Lomet. Mais une fois qu'elle a témoigné, qu'on a reçu le témoignage, on lui a permis de se marier, elle s'est remariée, et puis après on a deux témoins. Alors là, Afal Pishenisset, Tetsé. Même si elle s'est déjà remariée, avec la dérogation qu'on a donnée, il faudra la ressortir, parce que deux,
ça l'emporte sur 1, même si on a cru, même si Chachamim sont venus, ils ont cru le 1 comme 2, comme mais c'est pas réellement 2. Dès qu'on a deux témoins qui vont venir, alors là, les témoins ils vont l'emporter, parce que eux, c'est les deux témoins Minatora qui l'emportent contre le témoin unique des Rabbanan. Shnaim Omrim Met, Ve'ed Omer, le Met par contre. Si on a deux témoins qui viennent et qui nous disent qu'elle est mort, qu'il est mort. Et après, on a un témoin qui vient et qui contredit. On n'a pas encore tranché au Bedin. Alors là, on a une règle connue. Alpishnaï Medimakum Davar, à partir de deux témoins, on fixe, on établit les statuts des choses. Deux, c'est crédit, c'est cru. Un, c'est rien du tout. Et donc, dans ce cas-là, Afalpishaloni, cette même celle a pété mariée, Sinasel pourra se marier. Parce que deux l'emportent. Deux témoins, ils viennent et vous témoignent sur une situation. Vous n'avez pas lieu de craindre qu'il y a peut-être eu autre chose, même s'il y a un témoin qui dit le contraire. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Tzara.